Mesdames et messieurs, comment on peut faire? Mais également à ceux qui nous ont quittés, c'est-à-dire les parents morts ou vivants.
nous sommes venus, moi personnellement avec toute ma famille. Celle qui gît là-bas, c'est ma mère. Et puis après, j'irai également incliner la tombe de ma belle-mère aussi. J'ai également beaucoup d'amis et de frères qui sont ici. Donc, nous leur dédions cette journée pour tout ce qu'ils ont pu faire sur Terre. Et nous pensons qu'ils vivent dans la félicité auprès du Seigneur. Et pour la famille, mais également pour toute la nation. Vous savez que notre pays est livré à une bataille incommensurable. Une agression, ceux qui sont morts peuvent également intercéder pour nous, pour que la paix règne dans notre pays et pour que tous les peuples congolais puissent vivre normalement, parce que c'est pas normal que nous puissions vivre dans un pays aussi riche et que les pays étrangers, les pays qui nous entourent puissent nous attaquer comme ça. Nos forces doivent être unies, ceux qui sont morts mais également ceux qui sont vivants. Merci. Pour tous les morts, pour tous ceux qui nous quittent, j'ai une idée, une pensée pieuse pour ces personnes-là. Et puis pour les parents, je ne peux que souhaiter une bonne fête des parents. Vous vous rendez compte? C'est une contradiction. Alors, voulez-vous que je vous dise? Je n'ai qu'une compassion pour nos chers frères, sœurs, nos enfants, qui, innocents qui meurent à l'Est. C'est comme si, de ce côté, on s'en foutait parce que la guerre n'est pas encore ici. Alors pourtant, on devait unir les efforts pour ces gens-là. D'abord, chers amis, il y a un problème avec les Congolais. Quand on leur dit, partout ailleurs, il y a une assurance entretien, les Congolais ne veulent pas prendre une assurance entretien. Nous leur offrons des caveaux de qualité. Ils n'y passent même pas. On leur a dit, après autant de mois, vous pouvez mettre une pierre tombale. Ils n'y mettent pas. Si vous n'avez pas de moyens, vous pouvez carreler la tombe. Ils n'y mettent pas. Alors maintenant, vous venez me dire que plusieurs familles se plaignent. Mais que ces familles-là viennent nous voir. Qu'ils viennent nous voir. Les familles qui ont souscrit à notre assurance entretien, trouvent leur caveau entretenu. Changeons de mentalité. Ne soyons pas là tout simplement pour recevoir, recevoir, recevoir. Non. Je vous paye, vous faites un service de qualité. Or, la plupart de ces familles qui se plaignent, qui sont venues vous voir, ce sont ces familles-là qui passent par nos agents, qui leur remettent de l'argent, soi-disant, tu vas entretenir notre caveau. Et l'agent met l'argent en poche, il n'entretient pas. Et à la fin, cette famille vient se plaindre. Mais non, monsieur, soyons sérieux. La particularité, c'est que d'abord, la nécropole est arrivée juste au moment où il n'y avait plus de cimetière de qualité. Ça, il faut les reconnaître aussi. Moi qui vous parle, je ne cite pas les noms du cimetière, où on a inhumé mes deux sœurs, je n'étais pas là quand je suis arrivé. Je suis allé dans ce cimetière pour déposer des jeunes de fleurs. On n'a jamais retrouvé les tombes. Alors, vous vous rendez compte? Mais par contre, que les familles qui se plaignent de qualité, je ne sais pas de quelle saleté, se rendent bien compte que depuis plus de 10 ans, ceux qui ont inhumé il y a plus de 10 ans, les tombes sont toujours là. Et nous demandons aux visiteurs de respecter les sépultures des autres, c'est-à-dire de ne pas monter sur les sépultures, ainsi de suite. Donc, la qualité, c'est nous faisons un effort pour les services à rendre aux familles qui nous font confiance. Encore une fois de plus, ce qui est terrible dans ce pays, c'est que vous êtes des copieurs. Vous copiez sans savoir ce que vous copiez. Au ministère de l'Industrie haute, il n'y a que ETEC qui a l'appellation de nécropole. Nous avons tous les documents. Mais aujourd'hui, vous avez vu que les nécropoles naissent. Pourquoi? Parce que les Congolais manquent d'imagination. Ah, il faut que je prenne le nom de nécropole pour que les familles viennent aussi chez moi. Mais ce ne sont pas les mêmes services. C'est ça le problème. Nous avons nécropole 1, c'est ici. Nécropole 2, à l'Académie de police, à Kimpoko, c'est tout. Tout ce qui s'appelle Nécropole 3 ou autre, ce sont des usurpateurs. Ils ont copié les noms. Nous l'avons. Vous pouvez venir dans nos bureaux, vous allez bien voir que ce nom est reconnu au ministère de l'Industrie qui donne les labels. C'est connu. Mais qu'est-ce que vous voulez dans ce pays? Vous avez beau parler, porter plainte, ça ne sert à rien parce que derrière chaque affaire, il y a toujours une autorité. Quel message allez-vous lancer aux autorités du pays? Nous ne demandons rien aux autorités. Elles-mêmes, elles viennent ici, elles voient ce que nous faisons comme service. Elles devaient bien se poser la question, mais ces gens, comment ils tiennent, comment ils font?
Que voulez-vous que je demande à l'autorité? D'abord, la journée, elle est longue. Pourquoi les allées journée internationale? Les allées pour faire son message, la Bao, la Tika, Bao, la Bao, qui est très cher, la Tika, Bao, Awa, les allées nécessaires. Les allées visite, il y a les lots, les allées d'une façon, il y a pour honorer. Il y a pour honorer, Bao, la Bao, qui est très cher, entre autres, Bao, la Bao, et puis Bao, la Bao, la Bao. Donc, Bolingo, et Zalakate, Namisu. C'est-à-dire, les actes que nous avons vivants, nous avons et nous avons vu que Bolingo, normalement, et la Kanamotema. Bolingo, et Kanamotema, c'est-à-dire, Ata Mutuana, et la Kanamotema, vivant, Ata Akufi, pour continuer, Kaka Kolingaye. Parce que Bango, Bazala qui est le Bisso, c'est Bisso qui est le Pola Bango. Donc, on a connu Bissana Bandeko. En tout cas, bon négligé, va tomber. Il y a Bandeko na Bisso, parce que Bango, Bazala qui est le Pola Bisso, Bisso qui est le Pola Bango. Il y a qu'à honorer Bato, Bazala qui est très cher pour Bisso, on a combo la tombe na Bango, on a retiré la propriété, et voire même, on a retourné la Bango. Pierre Tombal et Zali Mapamoli, Namutoro, Azali Kosala Yango, parce que les lots et Zali Tournabango, l'objet de la différence est à ma place. La coquille qu'on copie du saut, on a un combo, mais on a la qualité, on a copié du saut, parce que la nécropole entre terre et ciel, on a constitué la bête actuelle, on a qualifié. Avant, au côté Awa, à Singaka, le dossier. Diplôme, bagota la paix moralité nayo et puis bagota la domaine mini yo kosala ce que y est au côté na tati faut dans toute formation na français to bengango capital humain. Donc capital humain ou bien potentiel humain et là qui c'est une valeur ajoutée au y na diplôme nayo na qualification nayo mais c'est au comme une nécropole entre terre et ciel bagota sous formation ce que l'union pour commander de mettre la cérémonie ou bien aussi le discours pour la formation. Nous avons la conseillère funéraire pour nous dans la famille, pour nous aider à la gestion des émotions. Donc, alors, différence que les choses sont allées, nous avons un cimetière de Kundaka qui n'a pas voté, nous avons un cimetière au Badeni mémorial du disparu. Et vous allez la fête de Bango et Zalaka le 31 août. Bangonde, Bayaka Kana plaque, Bachin à l'île, parce que vous êtes dans Bango et mon année, Bato Bakoufi na crash, Bato Bakoufi na Noaema, nous autres Bundi, Bayaka Kana photo, Totiaka Bango cimetière, Bango Kumon, mémorial de disparu. Nous avons sous la cimetière au Babengi Colombario. Nous avons dit que nous avons incinéré le corps, nous avons préféré même la cendre et la mouille. Wana tukotia yango na cimetière comme on a go Colombario, nous avons ba batiwa ndé tukotia kuna. Voilà la différence il y a métropole entre terre et ciel et puis la métropole. Effectivement, c'est que c'est une journée pour commémorer les parents. Mais ici, je viens pour commémorer ma fille qui était décédée. Entre temps d'ici, je vais arriver aussi à Nécropole 2. Il y avait ma toute première femme qui était aussi décédée. Je serai encore à Kitambo où papa était enterré. Alors, c'est une journée qui fait que nous puissions nous souvenir des morts. Et par voie de conséquence, des morts qui sont des morts. Quel est le souvenir qui vous restait jusqu'à là en captivité? Bon, il n'y a pas de tel. Le mauvais souvenir. Mais bon. Avec la mort, ça donne un mauvais souvenir. Et tout ça, ça nous laisse avec beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Quand je vois ma fille qui est morte, trop tôt, avant l'âge de 30 ans, ça me donne trop de peine. Mais, comme c'est la loi de la nature, nous devons nous souvenir. Un petit message à la famille. Pardon? Un petit message à la famille. Bon, au sein de la famille, tout ce qu'il y a, c'est que nous devons méditer. Et nous devons aussi savoir que c'est notre chemin pour nous tous. Et nous sommes contents que la journée d'aujourd'hui soit une journée pour ceux qui sont décédés, que nous devons venir pour essayer. Yo so pa ki ma ki yo so pa ki